Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très très heureux d'être devant vous pour la présentation d'un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Comme vous aviez lu dans le titre, nous sommes en train de développer toujours les choses d'actualité concomitamment avec la Constitution. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous aviez constaté que nous ne sommes plus réguliers. Et bon, il y a beaucoup de gens, je crois, surtout les abonnés, parce que les gens qui continuent à me poser la question, ce sont ces gens-là qui arrivent une fois, ils vous regardent et puis ils partent. Mais pour les abonnés, en tout cas, ils savent pourquoi est-ce que nous ne sommes plus, nous prenons un peu de temps afin de prendre des émissions parce que nous sommes en train de préparer un autre projet pour l'année prochaine en 2022 qui sera lancé surtout ici sur Contact Pro Live. Ça sera lancé, je crois, au mois de mars-avril. Donc là, nous sommes en train de donner encore beaucoup de temps à ce projet-là. Mais alors, pour vous rappeler que l'actualité est abondante et puis vous aviez posé beaucoup de questions et surtout la libération de Kamere, de M. Kamere Vital. Donc, vous aviez beaucoup voulu savoir quel est mon point de vue. Alors, pour ceux qui sont sur Instagram, nous avions programmé que juste après cette émission, donc il est 11h à Johannesburg, où nous le mettons. Donc, dans 2 heures au moins, nous serons live sur Instagram où nous allons aussi expliquer à long et à large pourquoi cette libération, disons notre point de vue, quoi. Quelle est la conséquence de cette libération? Donc, je donnerai vraiment mon point de vue sur Instagram. Mais aujourd'hui, sur Contact Pro Live, aujourd'hui, qu'est-ce que nous parlons de quoi, Bandeko? Nous parlons de la gestion de notre pays. Mbokanabiso tozo géré en gondenge nini. Mabe ezo utawapi. Et lo konga naza koloba mikolonyo sona lobi, avant que nous partions, avant que nous puissions trouver des solutions, il faut que nous analysions le problème. Est-ce que nous, les Congolais, nous avions pris le temps d'analyser exactement ce qui se passe dans notre pays pour que nous puissions y trouver des solutions? Les politiciens qui viennent et qui viennent avec des solutions, est-ce qu'ils viennent avec des solutions ou bien ils sont en train de perpétuer un système qui n'a pas marché? Ça, ce sont là les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Parce que Mabe Utiwaki, Lelo Oyo Batoume, Bele, Bazako Lingape, Bazala, président de la République, Bango Pe Balingi, Bazala, Naba Primature, Bango. Tout le monde veut être quelque part dans cette configuration du moment. Est-ce que configuration est un moment Oyo qui peut permettre Mbokanabiso de se développer? Est-ce que situation autosa nango lelo et qui peut permettre Mbokanabiso échanger développement batuba zonga batuba ou talibanda bazonga balobino to zongi mboka po mboka komi koko koma bien. Prenons l'exemple des Sud-Africains qui étaient en exil et qui ont été obligés de rentrer au pays parce que il y avait maintenant ouverture à partir de Sila Kiba tunyo surtout ba komi ensemble to zonga bisonyo so bazonga ka bango nyoso po ba ya ko bongisa mboka na bango. Après apartheid, on a vu le pays se remettre en se disant que non, les gens qui sont à l'extérieur, Batoba Kenda qui exile, Bazonga, est-ce que ça va nous arriver aussi chez nous? Biso Batutozan exil. Va-t-on vraiment arriver à Tokoma na place où ya Kozonga Mboka? Mais pour arriver là, il faudrait d'abord que nous puissions analyser et trouver des solutions. Avant d'aller un peu plus loin, mes chers amis, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Trac des ADF tête à tête entre l'armée congolaise et ougandaise à Beni. Et puis un RDC, un cadre de parti de Joseph Kabila convoqué
par la justice. On va sur actualité.cd. Hormis le programme conclu cette année avec le FMI, la RDC pourra bénéficier d'un appui supplémentaire de la part des institutions financières internationales. Une nouvelle évasion au Congo central. Une quarantaine de détenus se sont enfouis de la prison de Boma. Ça, nous sommes dans actualité.cd. On va sur Congo profond. Désignation de membres de la CENI, le FCCL Moutamba transfère officiellement ce vendredi la liste des 3 candidats. Et puis, à lutte contre le flux financier illicite en RDC, le ministre Patrick Muyaya recommande la création de parquets financiers. On va sur 7/7, Kabila cité dans l'assassinat de Tchebeya. La haute cour militaire doit tirer toutes les conséquences de cette révélation. Et puis, traque des ADF, le ministre de la Défense de la RDC et de l'Ouganda en Ituri. On va terminer sur Radio Okapi. Maître Jean-Claude Katende, il y a une très mauvaise communication autour de l'affaire Vital Kamerhe. Oh, où elle est la prison centrale d'Isiro, de nouveau alimentée après quelques semaines de rupture de stock. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité toujours est prédominée par la libération de Vital Kamerhe. Donc, les commentaires vont dans tous les sens. Nous avons vu les terriféraires du régime aujourd'hui. Batoubazako s'est vertué pour nous expliquer, selon le droit, selon tout. Batounion, surtout Bazako Loba. Non, il ne fallait pas. Batouyo, non, c'est la justice, c'est l'état des droits. Et donc, dans tous les sens, Batounion, surtout Bazako Lobela, Likamboa Kamerhe, Abimi. D'autre part, Batumsusu Bazako, Bazako Sepela, d'autre part, Batumsusu Bazako, l'état des droits, ça bâclé tout ça. Mais nous, nous avons une position dans la zanini, les lots. Pour tout bande la nan, on a six jours à Kamerhe, pour tout évacuer en avant tout là, qu'est-ce qui se passe dans le résultat, il y a une réflexion, 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 il y a une réflexion. Bandeko, likambo Kamerhe, eza likambo moko ekokai ko etone batute. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne pouvait pas étonner les gens. Et je vais vous dire pourquoi. Makambo eza ko leka na République démocratique du Congo, eza moi soni, et puis ezali ke to yebi nanu te problème nini yango mboka na biso eza na kati. Le Congolais ne sait pas c'est quel problème qui le bloque. Congolais nanu yebi problème wana te. Et c'est ça le danger justement. Parce que ce qui Congolais yeba ka danger o ezali. Et que alingi vraiment mboka o to kende nango liboso to ki ko commettre ba erreur o to za ko salate. Ceci montre à suffisance que comment les gens arrivent en politique parce que yango ndeza métier oyo eza ko futa. Je me rappelle na ba commentaire ya bato ba sala kana ba commentaire na bango baloba que non Germain azolu kamusala Germain alingi a comme peu politicien un jour tout ça. Je vais vous dire une chose d'abord. Mon point de vue ne compte en rien. Attends à l'objet, le comme côté. Eza point de vue nangai. Ozoyango te. Etali kakabino moko. Moi, je m'exprime sur le pays. Je m'exprime sur la marche de mon pays. Je suis en train de faire ces émissions, ce travail que je fais ici. Pour n'accoper ça, mon point de vue sur le décollage de notre pays. Et je crois que. Batu o baza ko landangai le quelques personnes qui ont compris que non, ce n'est pas pour la masse. Eza pona ko luka nani eloko mokote. Mais non, ça c'est mon point de vue en tant que Congolais. Bandeko, nous ne pouvons pas comprendre ce que nous sommes en train de faire. Tozo tonga nini yango. C'est ça la question. Tozo tonga nini. Batu bazana raison, batu msu bazana tort, batu msu bazana katikati, batu bazana ko expliquer droit. Les gens qui défendent Félix disent non, c'est le droit qui a été dit, l'état des droits est restauré. Tout est le qualificatif pour essayer un peu de justifier libération à Kamerhe. Batu nyo surtout. Quel est mon point de vue, c'est quoi? Moi, je ne veux pas m'éterniser dans cette situation à Koloba, oh non, Ezamabe ou quoi que ce soit, mais je vais vous donner. C'est que moi je pense vraiment.
oyo nini yango tozoluka oyo tozoluka za nini tozotonga mboka ou bien tozako tonga ba tozako affermir ba bien-être oyo ya bato oyo baza na pouvoir. Quel est l'essentiel que nous recherchons dans tout ce que nous faisons en République démocratique du Congo? Nous qui sommes au régime, batu o bazo vanda na Congo, nous les Congolais, eloko nini yango tozoluka? Sommes-nous en train de chercher une égalité pour toute l'étendue de la, pour tous les Congolais? L'état de droit c'est quoi? Est-ce que l'état de droit ezali na kaka na batu moko ou bien na batu mususu? Quel est le fait qui se passe maintenant? Na moment oyo bandeko, ce qui se passe c'est qu'il y a cassure. Celui qui est à la tête de la République, il est venu. Félix Aza aye na ndenge toyebani toyebi. Les ambitions étaient quoi? Tolongwa na système oyo zala ki akala to kota na oyo peuple za kolinga changement. Les changements aussi, ce n'est plus faire ce qui se faisait avant, mais faire d'une autre manière pour que tokotana er mususu ya sika oyo batu nyonso tout bakobanda ko se retrouver. L'état des droits ezali kaka climat politique te ezaka kabatu nyonso ezaka quand même morale ya peuple tozo kende wapi. L'état congolais est-ce que ça ko fonctionner normalement? Nous sommes en train de faire la politique, pas juste pour nos ventres, pas juste pour satisfaire quoi que ce soit, mais pour que tozongi samboka na biso na mboka na ma, na ndenge o etali ke batu mboka kendaka ndenge nini. C'est là où je crois que nous devons réfléchir. Sikoyo, toza koloba ke non, kamera abimi, tout ça, batu nyonso tout basepeli, batu nsou ba nani, il y a des configurations politiques, toza wapi aujourd'hui, pour que libération à kamera et ça la bien te, ou bien ça la bien. Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Moi je pense, ce qui t'opese, na ndenge a droit, na ndenge pe a moral, o toza na kati, na ndenge ya ko nini ya ngoto zo linga to tonga, moi je crois que ce n'était pas opportun. Cette libération n'est pas opportun aujourd'hui. Mais, que ferons-nous? Parce que le droit en avait, a pris le dessus de la morale. Morale est anini. Tozo linga to loba état de droit. Batu nyonso tout oyo, la grande majorité de la population congolaise, a tabo expliqué ngo na ndenge ya droit ndenge nini. La grande majorité n'est pas à ce niveau-là ya ko comprendre place au droit na biso boza ko linga ko komisa biso. Nous allons voir que non, batu ebele ezo créer frustration, surtout na ba événement o eza ko landana. Il y a des événements qui se sont succédés, il y a ba scandale qui empiètre l'état de droit yamboka na biso eza ko empiètre yango. Donc eza ko kende na contraire ya état de droit. Bato baza ko yiba mbongo, bato baza ko sala mabe, nous voyons que ces gens là ne sont pas dans le chemin ya koluka justice yamboka ou bien ya ko récupérer droit. Donc de ce côté là c'est encore un échec qui sera mis où? Na tête ya président de la République Fachi. Donc babilo ko na nyonso tu euti wapi bandeko? Bokoyoka ba intellectuel na biso ba constinge la biso ba mikanda hola soki nani askoma ki boye soki boye tout ça. Toutes ces histoires là n'est que pour défendre leur position aujourd'hui. Et moi je déplore naza komona nazo kamawa les journalistes qui peuvent commencer à expliquer pourquoi Kamere doit être libéré aujourd'hui. Je ne suis pas contre cette libération. Loin de là, je ne suis pas contre. Mais mon cannabis otozome mango wapi bandeko. C'est ça le mon grand souci, c'est ça. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre à l'opinion nationale? Est-ce que état de droit na ndenge otoza ko prôner ngo nde mtu eza ko sala eza ko salema? Est-ce que nous sommes en train de faire d'aller dans le sens à cause de l'état des droits? Aujourd'hui, moi, je vais réfléchir sur pourquoi tu as commis à Wabandeko. Pourquoi? Parce que c'est ça la question. La réponse est simple. Le système dans lequel nous sommes
Le politicien est le même qui est l'opérateur économique. Le législateur, c'est celui-là encore qui est politicien. Donc, il y a un certain méli-mélo entre Babilo, Konyon, Swanate, Batouna, Batoubaza, qui respecte Bande na Bangote. Donc, il n'y a pas suffisamment de séparation de pouvoir en République démocratique du Congo, comme le disait Montesquieu. Donc, Babilo, Kwana, Nyonso, Eza, respecté, Tena, Nengyo, Toza, qui copie ma mentalité européenne. Nous sommes toujours aliénés, mais nous ne sommes pas. Nous sommes en train de copier un système qui ne peut pas marcher en Afrique. Et nous nous sommes trompés. On ne se trompe pas qui wapi. C'est lorsque nous faisons l'amalgame que le politicien est au-dessus de toutes les choses. Politicien, vous allez trouver que c'est le même politicien qui est un opérateur économique. Alors, l'exemple typique que moi je vais vous donner ici, bateau, il y a ensemble, bon, excusez-moi, mais ça c'est un exemple que je prends comme ça. N'abat exemple Zébé, Ezaka Katumbi est mon côté. Katumbi c'est un opérateur économique. Il ne peut pas être en même temps politicien, il ne peut pas être en même temps législateur. Déplace ma ben abissou ezaliwana parce que ma fonction est accumulée. Tant que yom tozo dirige, yom tozo oza politicien à la tête de notre pays, tu as des entreprises, tu es opérateur économique. La constitution l'interdit. Le politicien, il est en même temps celui qui nomme les juges. Il est en même temps celui qui tire le ficelle. C'est ça le problème. Place problème en haut et outil en haut. Les politiciens, il est en même temps en train de tirer le ficelle des législateurs à Kanga Bango. Ne place problème yambo kanabiso et outil yango wana. Tonu kango et sika moussoute. Tant que l'exécutif sera au-dessus de la législative et sera contrôlé là le judiciaire, makambu et kokendaka malamute. Parce que ma pouvoir nyon soana tope sa yango na mutuoyo moko, le président de la République. Eza la kobongi sa balabala. Bakofinga le président de la République. Et nous continuons à l'éclamer tout haut. Notre chef, le chef doit tout faire. Le chef n'a pas décidé. Le chef a instruit. Le chef a instruit au Parlement. Botala likamboya, tabino moko ya état de siège. Depuis que le président de la République avait dit que non, état de siège, wana ekosila kate tant que makamboana esilite. Le Parlement ne s'est pas dérobé de ça. Parlement ça qu'on accompagne justement Makamba Mokonzi Amboka. Parlement ça qu'on accompagne Lilobana tant que Bimana nous te jusqu'à ce que le président lui-même décidera que non Makamba état de siège ici là ici. Le Parlement ne peut rien faire. Donc nous pouvons dire que le mal de la République démocratique du Congo, c'est que les pouvoirs ont été donnés à un seul homme. Kande mtu asala ka azo sala musala na République démocratique du Congo et c'est l'exécutif, le président de la République. Atato Robine, la constitution est massacrée, bande konangai. La constitution n'est plus respectée, donc c'est là où le mal vient.
mal les ako utawana. Alors, dès que toyebi ke mal les ako utawa, qu'est-ce que nous devons faire? Le président de la République, en tant que yé na ndenge azali lelo, c'est à lui de changer les choses. Parce que décision à Batumusu, c'est comment on a une rébellion. Et comment on a une rébellion, nous faisons tout, et même le président et tout ce qui l'entoure font tout pour que Bissomoko. Alors, les trois pouvoirs là ne seront plus respectés. C'est là où le mal. Le mal vient de là. Mabe outi awa. Namibeko nabiso. Dans la praticabilité des choses, ezako outa awa. Nous ne pouvons pas continuer dans le système Oyo Bandeko. Le système ici de l'unitarisme, où l'exécutif, le législatif et le judiciaire est inclus dans la main d'une seule personne. Moutoumo koka kane moutouaza na pouvoir. Ce qui to bomie loko yote, mboka nabiso ko kendek, eko mona katali bosote. Bandeko. L'état de droit que nous devons créer dans les dans la 4e République, eko, il faut to bomie loko oyo, to bongi sango plutôt. C'est pour cela que moi je disais que non. Choix ya kobongisa mboka na biso. La voie à suivre c'est quoi? C'est que il faut to zongisa biloko nyonso tout à zéro et remettre le pouvoir au peuple congolais de commencer à reconstituer ba pouvoir oyo. Ba pouvoir oyo faut la reconstituer à la base. Base ne mutifo banda ko sa la praticabilité a biloko yo na base pour que en haut toza la neloko moko ya bien eza neti na tono na château d'eau. Si nous voulons avoir que na tio na ba robinet na biso maya propre zala to kende na kuna na château d'eau ya likolo place tank na biso ezali to kende ko sukola kuna. Kosukola, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la population doit être à mesure de contrôler l'exécutif. La population doit être à mesure d'avoir des législateurs qui lui convient. La population, le peuple doit être à mesure d'avoir des juges qui rendront compte au peuple. Le peuple va voir que nos juges, oyo, en tout cas, on ne mérite. Et que ces gens-là, quand ils sont là, ils ne sont ni à la merci de l'exécutif, ni au législateur. Bah, pouvoir, on est à la séparer. C'est pour cela que nous prenons la 4e République, où ces histoires d'ici, les profils de tous les gens qui fonctionneront dans l'exécutif, qui fonctionneront dans les législatifs et qui fonctionneront dans les judiciaires, devront être prédéfinis à l'avance. Moutouté koki kozala na exécutif en même temps qu'il est opérateur économique. Personne, tout ça doit être défini. Ce qui tolingi mboka na biso to ban parce que même aujourd'hui nani ango ko banga nani justice. Qui aura peur de la justice aujourd'hui na ndengo tozolo ba awa. Makoyibe ko continuer kaka parce que ba yebi kaka ke non. Ce qui naibi na ko beta ta mois deux mois ou bien trois mois na kati ya prison na ko bimana ngai et puis je vais continuer ma vie nande mboka etonga te et tozo tonga mboka te. Nous sommes en train de contribuer à la destruction de ce pays. C'est là le grand problème et c'est là où il faut que nous puissions faire un effort de corriger. Ce qui te corrige est l'okoyote et que ça la passe. Je disais que nous devons définir Babilokwana. Toko définir en gonde enini. Et c'est là où je reviens toujours à ma solution que solution nanga o bandeko na kobeta kango tout. C'était parce que moi je ne vois pas une autre voie de sortie. Nous le ferons avec le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est pour le moment le chef qui peuvent réfléchir à Koloba. Na ndengo tozo kende mabe, na zui décision, na changé na ndenge ya kosalela. Bandeko, il est plus facile ya Koloba que non. Nous allons réécrire une nouvelle constitution. C'est plus facile. Mais il faudrait réfléchir comment est-ce que nous allons y parvenir. Tokoki ka ko déclarer en gros boété que non, toko réécrire une nouvelle constitution sans que nous devons préparer le comment nous le ferons.
tombé dans la RR sous terre à Kolobane, état de siège, tout état de siège, sans que nous l'ayons préparé, comme budget n'a pas été, et bien, et bien, et bien, et bien, non. C'est ça qui fait que le chèque même de ce régime d'aujourd'hui. Parce que toi, qui t'a kanisi kaka, ce qui t'a lobby, ma kamboko salema. Et puis, t'as un kosa, ma batu, bazo kosa, bisou, ma lobby, non. Ce qui osa na mbongo, okobongi, sa babalabala. Notre pays n'a pas besoin des autoroutes s'il n'est pas réconcilié avec lui-même. La réconciliation d'abord du peuple congolais doit être effective avant d'entamer d'autres plans de développement. Plan, le grand yangona loba qui chantier liboso oh il faut sala na mboka oh eza chantier à réconciliation na ba kopitia batu d'accord de travailler ensemble. Il faudrait que nous définissions d'abord mibeko na biso mboka kozala ndenge. C'est pour cela que nous prenons la 4e république. Mais toko kota na kati ndenge nini yangona zo loba ah na lobi, c'est lui qui peut nous faire entrer là-bas et qui restera dans les annales de l'histoire si le veut, c'est le président Félix. Félix a kokiko koti sabiso kuna très bien. C'est-à-dire quoi? En appelant les états de liés de territoire. Nakati abaske loana ya mike mike. Parce qu'aujourd'hui, faire des conférences, oh bah tu baye belé belé, oh bah kenena Kinshasa, ça ne nous a absolument donné rien. Redéfinissons notre pays à la base, pour que na base toye ba tokosala ndenge nini, que les gens puissent se réconcilier avec eux-mêmes na kati ya ba territoire ya koloba awa eza nini. Pourquoi est-ce que nous ne développons pas pona nini tozobunda awa nini yango eza priorité par exemple na territoire na biso? C'est là où nous devons commencer bandeko batu na batu tangu ba kozwa ba solution na niveau ya base na bango ya ba territoire na bango, ça pourrait nous donner vraiment ouverture à Kolobake. Non. Ce qu'on a Sankuru, voilà ce que le projet de développement na bango ndenge balobaki. Ce qu'on a territoire à Fizi, bango kuna ba viva kabwe bazaki na bayomba tout ça, nous ne voulons pas les interférences que non. Bato bazana Kinshasa ba banda ko interférer na makambozo le kana Fizi. Non. C'est pour cela nous proclamons le fédéralisme comme un nouveau état. Mais toko kota na fédéralisme wana na muno côté. Le fédéralisme doit être préparé. Ce n'est pas en construisant les routes ou bien des projets de développement que Torokota kana fédéralisme. C'est d'abord éduquer la population dans le fédéralisme. Amener la conscience du peuple congolais dans le fédéralisme. Yakolo bakeno, bandeko, mboka o soke bongite, eza foti ya mutute, eza foti ya bino. Musala o boko sala na kati ya territoire na bino, na kati ya mboka na bino, ndeko développer mboka na bino. Mundela ko uta kapoto te aya kotongela bino awa te. Na mutu soki aye awa, il faut azala en contrôle, bo il faut bo contrôler asala oyo bino bolingi na kati ya mboka na bino. Il n'y a pas longtemps, je vous avais mis une vidéo ici ya batu moko kote ici lokuna bazako lo bato boyi ba chinois ba ya ko sale loko, parce que ces chinois là ont corrompu la tête, ils ne viennent que maintenant pour exploiter babiloko, ils ne viennent pas pour travailler pour le peuple. Bandeko, je ne saurais pas aller trop loin, mais je crois que aujourd'hui nous sommes à, je crois jeudi, samedi na ko sala suite à émission oyo. Parce que demain, je ne serai pas disponible. Donc, samedi, je ferai une émission suite à Biloko Oyo. Et nous parlerons d'état de droit. Tokolobela état de droit. Tokolobela ango. Et bokomo na ke solution, on attend, on a za koloba na bino awa. Et c'est clair. À ce moment-là, si vous investissez place Pézali, mbon wane ko servir na quelque chose et kozala contrôlable, nani ako sala nini, et kei wapi, et sali nini. Et nous pourrons, on pourra voir ba résultat ba mbon wana. Mais aujourd'hui, résultat ya mbongo, ya nani ya ba projet à 100 jours, et za wapi. Est-ce que nous pouvons dire combien est-ce que cet argent, qu'est-ce que cet argent a fait? Ba mbongo et kenda wapi, il est pratiquement impossible. Et c'est là où nous tombons dans l'erreur à Koloba. Batumsous Bazala qui libérait parce qu'ils ont usé les outils qu'ils avaient, la constitution, le droit que nous prononçons aujourd'hui, c'est, qui ont joué à leur faveur. Mais moral n'a biso ezawapi.
Voilà où je vais m'arrêter aujourd'hui en faisant encore appel une fois de plus à tous ceux qui sont en train de me suivre. Bon s'abonner ma bandeko, bon s'abonner na chaîne. Pardon. J'ai besoin de vos abonnements. Ne venez pas tout simplement lorgner puis partir, puis ok, au critiquer, puis au tindi email, au fingi. Nazan a besoin de s'abonner, en tout cas. Bokoye, bah pourquoi est-ce que dans peut-être l'année prochaine, pourquoi est-ce que j'appelle vos abonnements? Bokomo na ndengeni ni tozo changer média oyo. Na ko expliquer kapebino pourquoi nous sommes venus sur le réseau pour nous. C'est ça notre cadeau que nous pouvons laisser à notre République. Nous travaillons pour le pays, nous ne travaillons pas pour quelqu'un. Et je crois que si ceci animait tout le monde, il faudrait que toi éduquer si la population n'a pas pu comprendre. À ce moment-là, le droit sera compris. Ndenge ba libérer Kamere, ba tokoye ba ah muto utiliser boy. Et les juges ne seront plus influents. Bah, juge va causer la culpabilité ou anate. Parce qu'aujourd'hui, les juges qui l'ont libéré, je crois n'a évité ceux qui basala qui ont ceux qui baswa qui mbongo, ceux qui basala qui nini. Ils ont pris leur option. Eux-mêmes savent pourquoi ils l'ont libéré. Peut-être que Kamera Zalaki n'a droit. Après avoir 26 fois refusé la liberté provisoire à Kamera. Abonnez-vous. Continuez à partager nos émissions. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.